Au Cameroun, il y a une tribu qu'on appelle la tribu Bamileke. Et les Bamileke, moi j'ai pour habitude de dire qu'ils sont pour le Cameroun ce que les Juifs sont pour le monde en termes d'économie. Parce que les Bamileke ont un sens aigu des affaires. Pourquoi? Parce que culturellement, dès qu'un enfant a 5 ans, on lui remet un plateau de beignets. On lui dit, va te battre. Ce qui fait que quand il a 25 ans, il a déjà 20 ans d'expérience dans les affaires. Toi, c'est à 35 ans que tu te lances. Et qu'à 36 ans, tu vas avoir le même résultat qu'Aliko Dangote. Ce n'est pas possible. La vente n'est pas faite pour moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui naissent et il y a un gène qui est codé pour la vente dans leur esprit? Comme qui? Tu es allé chercher le gène là. Le codon CGUW. Voilà. C'est pour dire que la vente, comme la médecine, comme la couture, comme la photographie, comme l'immobilier, ça s'apprend. Ça s'apprend. En prenant en compte ce qu'on a déjà vu en amont. Ça s'apprend avant. Et le problème, c'est que des gens, lorsqu'il va à l'école, il a fini de faire 15 années d'études, 20 ans, 30 ans. Et après, il se rend compte que le salaire qu'il gagne est minable. Il se dit, OK, je vais lancer mon business. Je vais vendre. Et quand il se retrouve à 35, à 25 ans, il commence à vendre et que 6 mois plus tard, c'est chaud. Il regarde son petit frère ou sa petite soeur qui a 25 ans et qui est multimillionnaire. Il dit non, non, non. Lui là, il doit avoir, il l'a trempé quelque part. C'est la sorcellerie. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que cet ami là qui a peut-être 25 ans, il s'est lancé en business, il avait 10 ans. Au Cameroun, il y a une tribu qu'on appelle la tribu Bamileke. Et les Bamileke, moi j'ai pour habitude de dire qu'ils sont pour le Cameroun ce que les Juifs sont pour le monde en termes d'économie. Parce que les Bamileke ont un sens aigu des affaires. Pourquoi? Parce que culturellement, dès qu'un enfant a 5 ans, on lui remet un plateau de beignets. On lui dit, va te battre. Ce qui fait que quand il a 25 ans, il a déjà 20 ans d'expérience dans les affaires. Toi, c'est à 35 ans que tu te lances. Et qu'à 36 ans, tu vas avoir le même résultat qu'Aliko Dangote. Ce n'est pas possible. Donc, il faut accepter d'apprendre et savoir que ça va prendre du temps. Il n'y a pas. La vente n'est pas faite pour moi, non. C'est que tu ne veux pas suivre le processus de prendre le temps, d'apprendre les stratégies de vente pour pouvoir rentabiliser. Moi, c'est que dans ma famille, je pense jusqu'à la 28e génération, c'était des salariés bien dans leur bout. L'affaire de vendre, là, c'est pas leur affaire. Quand ils parlent de ça, ma mère me dit pardon, laisse-moi tes machins là. Donc, si moi aujourd'hui j'arrive à vendre, c'est parce que j'ai pris le temps d'apprendre. Donc, la vente, ça s'apprend. Une fois que tu as compris qu'on apprend à vendre, maintenant tu vas te dire, OK, les techniques de vente sont lesquelles? Mais on le verra. Mais il faut d'abord, parce que ça ne sert à rien que je vous commence à vous parler des techniques sans que, je vais dire psychologiquement, vous soyez préparés. Vraiment. Parce qu'il y a des blocages. Tant qu'on n'a pas enlevé ces blocages, ça va être compliqué de passer à l'action. Très compliqué. Donc, tout ce qu'on partage avec vous aujourd'hui, ce sont des techniques, ce sont des astuces, ce sont des éléments à prendre en compte. Mais ça ne se fera pas en un jour. La première fois que vous allez les appliquer, vous serez mal à l'aise. Donc, un élément fondamental que vous devez noter, dans tous les secteurs d'activité, ça s'applique. La pyramide des clients. C'est un truc que j'ai découvert. Ah, merde. C'est un truc que j'ai découvert chez un aîné. Et j'ai essayé de faire une étude statistique chez nous. Je me suis rendu compte que ça marche tout le temps. Dans tous les marchés. Tous les marchés. Il y a toujours cette pyramide-ci. Qu'est-ce qu'elle dit? La pyramide des clients est divisée. Il y a 4 niveaux. Le niveau 1, c'est 3% des clients. C'est ces clients-là à qui tu viens aujourd'hui, tu leur dis, j'ai un programme spécial minceur pour toi. Ils sont prêts à acheter, ils passent tout de suite à la caisse. Boum! Sauf que ça, c'est 3% de votre marché. Et le problème avec cette niche-ci, c'est qu'elle est hyper saturée. Parce que la grande majorité des vendeurs amateurs font la même. Ils s'adressent uniquement à cette niche-ci. Mais si vous voulez vraiment faire de l'argent, uniquement en adressant un message comme celui-là, ça va être très, 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 très compliqué. Parce qu'à cette niche, on s'adresse à quelqu'un qui a un problème, qui sait qu'elle a un problème, qui cherche la solution et qui est prête à payer. Elle a 4 niveaux de conscience. C'est un peu comme le thé spécial minceur.
Il y a des femmes qui savent qu'elles sont, elles sont en surpoids. Elles savent qu'elles sont en surpoids. Elles cherchent à perdre le poids. Elles ont déjà les moyens et sont prêtes à payer. Donc, si vous venez avec votre programme spécial minceur et que vous avez assis votre capital confiance auprès de cette personne, elle va payer. Et en général, la majorité des vendeurs amateurs s'adressent uniquement à cette niche-ci. Maintenant, en dessous de cette niche-ci, on a 17% de vos clients. Ce sont des gens qui sentent qu'elles sont grosses. Elles savent qu'elles sont grosses. Ou obèses, vous préférez. Elles cherchent la solution. Mais elles font que chercher, elles ne sont pas encore prêtes à payer. Juste elles cherchent. C'est un peu comme quelqu'un qui fume. Quelqu'un fume. Il sait que la cigarette est dangereuse pour sa santé. Il veut arrêter, mais il n'est pas encore prêt à payer le programme des intox. Il n'est pas encore prêt. Mais il cherche, il regarde des trucs. Et tu ne peux pas adresser le même message que tu adresses à celui-ci. Ça n'a pas de sens. Puisqu'il n'est pas prêt à payer, tu ne peux pas lui dire que paye mon produit, il n'est pas prêt. Donc le message que tu adresses ici sera différent de celui que tu adresses ici. C'est justement ce qu'on fait aussi dans les campagnes d'email marketing. Bref, tout à l'heure, je vous prendrai notre cas de manière pratique pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble des messages comme cela. En dessous de cette niche des 17%, on a la niche des N3. On a 20% des clients. Ces clients-là, eux, ils ont un problème. Le fumeur. Il sait que fumer, c'est dangereux. Mais il ne cherche pas encore de solution par rapport à sa fumée. Lui, il le vit bien. Il fume, il sait que ce n'est pas bon de fumer, mais il continue à fumer. Il ne cherche pas encore la solution. Non, laissez-le tranquille. Tu ne peux pas, quelqu'un ne peut pas te dire que lui, il est à l'aise avec le fait de fumer. Toi, tu viens lui dire que voici mon programme, achète. Ça n'a pas de sens. Limite, lui peut trouver que c'est insultant. Il va dire, mais pourquoi tu me déranges? Et quand tu t'adresses à ce type de personnes, à mot de achète, en général, c'est eux qui vont te dire, mais toi, tu vends n'importe quoi. Il est juste conscient, mais il n'en a pas besoin. Et maintenant, tu as la plus grosse niche, les 60%. Ceux-là, ils fument, ils ne connaissent même pas que la cigarette est dangereuse pour la santé. Elle a un IMC de 35. Elle a dit que comment, quand une femme est en chair comme ça, c'est bon. Tu ne peux pas venir lui dire achète mon programme spécial minceur, mon thé spécial minceur. Ça n'a pas de sens. Donc maintenant, pour chacune de ces niches, tu dois avoir un message précis. Je vais commencer par cette niche-ci. Parce que c'est ici qu'il y a 60% de votre marché. 60% de ton marché ici, les types de messages à leur adresser sont des messages de sensibilisation. Et en médecine, on le fait tout le temps. On te sensibilise d'abord sur le fait que le surpoids, c'est dangereux. On te montre des gens qui ont eu l'AVC. On te montre des gens à qui on a retiré un poumon parce qu'ils fumaient. C'est de la sensibilisation pour que tu passes au deuxième niveau ici. En mode, ok, maintenant il sait que fumer c'est dangereux. Maintenant je le sais. Mais je ne cherche pas encore à arrêter. Je sais que c'est dangereux, mais je ne cherche pas encore à arrêter. Donc maintenant quand une personne est à ce niveau-ci, il faut maintenant l'éduquer. À quoi est-ce que ta vie ressemblera quand tu vas arrêter? Tu vas te sentir mieux. Tu vas rallonger ta durée de vie peut-être de 5, 10, 15, 20 ans. Tu pourras faire une activité sportive et durer plus longtemps. C'est le type de message à adresser à ceux-ci. Nous, par exemple, chaque fois qu'on fait, il y a des vidéos qu'on fait sur YouTube, c'est pour s'adresser à ces 60%. On les sensibilise sur le fait qu'il faut se lancer en entrepreneuriat. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux en général, YouTube, Instagram, WhatsApp, machin, truc, ce sont des messages qui sont assez simples, faciles à comprendre, que tout le monde peut comprendre. Le temps au moins qu'ils aient déjà ce type d'informations et que ça travaille chez eux. Après, quand ils passent là, tu les éduques. Par exemple, tu les fais rentrer dans... Ils vont commencer à t'écrire sur WhatsApp. Ils vont commencer à t'envoyer des mails parce qu'ils ont pris conscience et maintenant, ils commencent à chercher un peu plus. Ils veulent en savoir un peu plus. Et là, il faut les éduquer. Il faut les éduquer encore et encore. Et quand tu les as éduqués, qu'ils sont arrivés ici, 17%. À cette étape-là, ils sont déjà conscients. Mais ils cherchent même déjà les solutions. Mais ils ne sont pas encore prêts à passer à l'acte. Soit parce qu'ils n'ont pas confiance au fait que le produit ou le service que tu proposes va résoudre leur problème, soit parce qu'ils n'ont pas encore l'argent. Et ici aussi, il faut encore leur envoyer un autre message.
la preuve sociale. En mode, si ça a réussi pour Nelly, ça peut aussi réussir pour toi. Si ça a réussi pour Inès, ça peut aussi réussir pour toi. C'est pour ça qu'on en voit souvent, si vous avez remarqué, les témoignages, c'est de la preuve sociale. Ça réussit pour l'autre, ça peut réussir pour l'autre. Voilà. Et là, c'est pour ça que des fois, quand je mets une publication, par exemple, en mode, moi j'en abuse carrément, j'utilise à fond. Quelqu'un m'envoie une vidéo, un message comme quoi, il a lu mon livre, ça a été super puissant pour lui. Boum! Je mets sur les réseaux sociaux. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à ceux-ci. Voilà, ils se reconnaissent. Et tout de suite derrière, ils t'écrivent, ils te disent, bon, ok, maintenant je suis prêt. Et là, ils passent dans les 3%, ils payent. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont ici, mais qui sont prêts, ils veulent bien, ils veulent, mais ils n'ont pas assez d'argent. Ce que tu fais, c'est que tu lances une promo. Voilà pourquoi il faut avoir une base de données. Quand tu as une base de données prospect, tu sais que, quand je fais par exemple, je lance mon livre « Vendre comme un sniper », on a eu plus de 200 personnes qui ont rempli la base de données. Tu sens que ce sont des gens qui sont intéressés. Mais, pour eux, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'argent et tout. Donc, derrière, il faut les relancer. Si tu fais une promo, tu leur dis, bon, ok, là, on avait, le livre était sorti, on s'est rendu compte que vous n'avez pas pu passer à l'acte d'achat, on ne sait pas trop pourquoi, bam, 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 boum. À titre exceptionnel, il y a une promotion. Est-ce qu'il paye? Il paye. Mais si tu n'as pas conscience de ceci, tu vas toujours venir, c'est moi, ton produit, mon téléphone. Mon téléphone vaut 1 200 €. Payez, il faut payer. Voilà comment on fait que tu es insulté. On t'insulte partout, tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds en crédibilité. Parce qu'il y a un phénomène qui se passe, c'est que si aujourd'hui, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, si j'arrive ici, il y a 3 filles comme ça, et que j'essaye de saluer Nelly, et que Nelly me repousse, il y a 90% de chances que Inès me repousse aussi. Par contre, si Nelly accepte de me saluer, Inès, il y a 90% de chances qu'elle me salue aussi. C'est comme ça.